crime contre l'humanité. Et un, et deux, et trois degrés. C'est un crime contre l'humanité. Et un, et deux, et trois degrés. C'est un crime contre l'humanité. Le Daïm, il va être en trois temps, en fait. Et les temps vont être marqués par des coups de sirène. Alors, je vous parle d'abord des sirènes, et après, je vous raconte les trois temps. Au premier coup de sirène que vous allez entendre, vous allez vous coucher. Après, pendant le... après, pour se lever, ce sera le deuxième coup. Il y aura deux coups de sirène. Et puis, après, on va essayer de marcher vite ou courir autour du rond-point. On va marcher ? Et là, on n'a que la moitié du rond-point. On a que la moitié du rond-point, donc on ne va pas tourner ni courir autour du rond-point. On va faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire alors dans le demi-rond-point ? Je propose que quand on se relève, on fasse une minute de cri. De colère. Donc voilà. Donc, Et après on se recouche. Et après on se recouche. Oui. Donc il va y avoir un premier daï, un premier coup de sirène. Deuxième coup de sirène, on va se relever et on va pousser une gueulante. C'est ça Thierry ? Une énorme gueulante, il a dit Thierry. Et puis après, il y aura de nouveau un coup de sirène. On va se refaire un daï. Et juste au deuxième coup de sirène, on va se lever et on se cheminera vers les locaux de la CCIV. On manifeste pour protéger le Tuma qui nous protège bien aujourd'hui, comme vous pouvez le voir. Donc il faut que ça dure. Et pour cela, la puissance des organisations de citoyens a forcé TPM à déclarer l'état d'urgence climatique pour la région Toulon et les alentours depuis quelques semaines. Donc cela nécessite des mesures d'urgence et pour l'instant, il n'y a rien eu de fait. Donc nous, on a des solutions et on souhaite interpeller M. Falpé, président de TPM, pour qu'il signe avec les armateurs dont les navires font escale à Toulon une charte de bonne conduite
qui imposera aux armateurs de faire naviguer leur navire au gasoil 30 minutes avant l'entrée du chenal de Toulon. Voilà, le gasoil contient beaucoup moins de soufre que tous les autres combustibles qui sont utilisés pour l'instant. Et ça diminuera déjà largement la pollution. Et tout ça pour aller vers des navires zéro carbone. Oh, non, 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 non,
soit ça passe, soit ça casse, je pense à la prochaine. Ça va, je rate quelques sous.